quand tout semble perdu. Quelle moto peut terrasser les méchants et avoir l'air cool en même temps? Ah, c'est Sam d'Acier, bien sûr. C'est Sam d'Acier, bien sûr. Hé, ça c'est ma réplique. Oh, c'est vrai. Désolé, mais attendez. Mais c'est quoi? Attention, Sam, c'est une moto ninja. Sam d'Acier arrivera-t-il à battre une fois pour toutes le méchant vilain ninja et secourir la petite moto sans défense? Hey, je suis pas petite et sans défense d'abord. Toute, tu dois juste faire semblant d'être sans défense. Là, tu joues un rôle, c'est une répétition. Ah, d'accord. Ah, Sam d'Acier, aidez-moi. Je suis sans défense. Waouh, j'assure. Sam d'Acier à la rescousse! Scoutio, allume le projecteur! Je m'en occupe! Je ne te laisserai jamais passer, Sam d'Acier! Abandonne! C'est moi le grand méchant et à chaque fois je gagne, ou presque! Moto Ninja, tu oublies que j'ai une technique secrète, la roue de la tornade! Qui tremble. On tremble quand on est malade et je le suis pas. Et voilà que ma roue se met à grincer maintenant. Sam d'Acier n'a jamais grincé ni tremblé. Hé, hey, t'es sûr que ça va, Ricky? Oui, oui, tout va très bien. Je vous rattraperai. Y a pas de problème quand je tourne à gauche. Mais quand je tourne à droite, là, ça ne va pas. Oh. Y a quelque chose qui va pas, Ricky? C'est rien du tout. Bon, allez, et si on allait à l'école? Oh! Hein? Mais pourquoi tu pars par là? L'école, c'est dans cette direction. Oui, mais par là, ça a l'air amusant. J'ai envie d'essayer un nouveau chemin. Tiens, j'ai encore oublié le chemin de l'école. J'étais pourtant sûre que c'était par là. Allez, faut qu'on se dépêche, on va être en retard. Tu es vraiment sûr que ça va? Oui, vroomtastique. Oh, cette fichue roue, il faut qu'elle arrête de grincer. Là, ça devient gênant. Wow, des fois, faut savoir garder le tempo. Un peu de calme, on ne fait pas la course. Très bien, DJ, tu peux lancer la partie. Et les autres, tenez-vous prêts à esquiver. Raté. Tu m'as pas touché. J'ai touché Ricky. J'avais jamais réussi avant. Ricky, désolé, je pensais pas que c'était possible. Bah, y a pas de problème. Très joli tir, DJ. Mmh.
Dites les amis, vous avez remarqué que Ricky bouge un peu bizarrement? Non, moi je pense plutôt qu'il bouge super bizarrement. Peut-être qu'il est nerveux à cause du spectacle de ce soir. Je peux pas faire le festival de Sam dans cet état. Sam d'acier ne tremble pas. Maxwell! Maxwell, t'es là? Vite, j'ai besoin d'une réparation. Faut que tu m'aides. Oh, oh, salut, Lip. Salut, Ricky. Maxwell n'est pas là. Je crois qu'il est au festival de Sam. D'ailleurs, toute la ville va là-bas. Oh, c'est vrai? Au début, je n'ai pas très envie d'y aller. Bah oui, quand je vais au parc Wilford, je finis toujours par atterrir dans un arbre. C'est chaque fois pareil. Et c'est surtout assez gênant. Et puis, je me suis dit que je pouvais pas manquer ça. Bon bah, on se voit là-bas. Tiens, un poteau. Bon bah, cette fois, j'y vais. Bon, je tremble juste un peu. Après tout, c'est pas si grave que ça. J'ai qu'à faire comme si j'avais rien. Attention, s'il vous plaît, dernier appel pour les artistes participant au spectacle du Festival de Sam. Vous êtes attendus en coulisses. Mais où est Ricky? Il devrait déjà être là. Comment on va faire s'il n'arrive pas? Ricky sera là. Il manquerait ça pour rien de monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, place au spectacle suivant. Voici une pièce de théâtre de haute volée. Applaudissons tous ensemble Ricky Zoom et les As du Guidon. Ce petit chef-d'œuvre s'appelle Sam d'Acier affronte avec grande classe le méchant vilain moto ninja et il gagne. Bon, d'accord, le titre raconte un peu toute l'histoire. Ce n'est pas grave, les voilà. Au secours, je suis sans défense, je suis piégée en haut de cette tour. Je voulais pas dire ça, mais ils m'ont forcé. Si t'es piégée en haut de cette tour, c'est à cause de moi, le méchant vilain moto ninja. Sam d'Acier, venez me sauver, s'il vous plaît. Qui arrive à la rescousse quand tout semble perdu? Quelle moto peut terrasser les méchants et avoir l'air cool en même temps? Pas Sam d'Acier parce qu'il est toujours pas là. Je vais allumer le projecteur. Bon, mais on fait quoi maintenant? Oh, Ricky, c'est toi qui joues le rôle de Sam d'Acier normalement. Oui, mais je vais pas pouvoir. Ma route devant a du jeu et elle tremble. Tout le monde va se moquer de moi. Et alors, est-ce que c'est si grave que ça? Tes amis sont là et ils ont besoin de toi. Oh, Ricky! C'est Sam cassé... Sam d'Acier à la rescousse! Je ne te laisserai jamais passer, Sam d'Acier! Abandonne! C'est moi le grand méchant! Alors, Moto Ninja, tu oublies que j'ai... une technique secrète, la roue de la tornade! Oh non, la roue de la tornade est trop puissante, normalement. Oh non, ça ne se voit pas, mais je suis battue. Oh, 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 oh. Ça va, je vais bien. Oh, oh non, toutes. Il est temps de foncer pour de vrai. C'est parti. Aileron. Viseur. Gadget. Allez, boum. Accroche-toi. Allez, tous, grimpe. C'est bon, on y va. Tiens-toi bien.
aussi héroïque que Sam d'Acier dans ses plus grandes scènes de sauvetage. Et t'étais aussi beaucoup plus drôle. J'y ai, Ricky, c'était... Oh, c'est pas vrai, pourquoi ça m'arrive encore? Merci pour votre attention. On a réussi. Et si un jour vous êtes en danger, n'hésitez pas une seconde, faites appel à Sam Cassé. C'était trop drôle. Le meilleur festival de Sam de tous les temps. Ricky, tu pourrais m'apprendre à trembler comme toi? Oh, je le fais bien là. Désolée toutes. Ça va? T'es pas trop secouée pendant que je roule? Non! C'est marrant! Est-ce que t'es obligée de faire réparer ta roue, Ricky? C'est bon, ça peut encore attendre demain! Super! Alors en attendant, ça va souffler! Dépêche-toi, toutes! Ou on va être en retard à l'école! Allez! Tu te rappelles ce qu'il faut faire? C'est pas la première fois que je traverse la rue, Ricky. Je sais qu'il faut regarder à gauche et à droite. Oh, oh non, la cloche va bientôt sonner. Mais t'inquiète pas, tu sais ce que je fais dans ce cas-là? Waouh! C'était pas compliqué. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Patty. Vous avez dû remarquer que notre école aurait besoin d'un agent devant le passage piéton. Oui, tout à l'heure j'ai failli me faire rouler dessus en voulant traverser. C'est pas drôle, ça m'a fait super peur. Et c'est tout naturel, DJ. Fort heureusement, j'ai trouvé une solution. C'est moi qui serai l'agent de sécurité scolaire. Mais j'aurai besoin d'un assistant. Un volontaire de votre classe. Voyons, j'imagine que l'un de vous aurait très envie d'être mon assistant. Et vous? Approche, rejoins-moi sur l'estrade. Hein? Loup! Désolée, mais elle parlait de moi. Ah, pas du tout, Ricky. Elle parlait de moi. Oh, quelle chance, n'est-ce pas, Vroomtastic? Nous avons deux volontaires. Je vais donc vous faire passer quelques épreuves. Nous allons voir lequel de vous sera le mieux placé pour m'assister. Des épreuves? Je comprends pas. Pourquoi tu veux aider les autres à traverser? C'est mon truc de sauver les autres et de les protéger. C'est pas tien. Et pourquoi pas? Moi aussi j'aime bien aider les autres. En plus je peux faire ça. Ah ouais. Et ben moi, je peux faire ça. Gras bisous, action. Moi aussi, c'est juste que j'en ai pas envie, c'est tout. Ça y est les amis, voilà Madame Bikely. Quel que soit le gagnant, vous serez toujours amis après ça, hein? N'est-ce pas? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi on le sera plus? Oh, je le savais. Alors y'a aucun problème, que le meilleur gagne. Première épreuve, faire traverser les petits en toute sécurité. Prêt? Prêt. Allez, vas-y. Vas-y, Ricky! Allez, on se dépêche! Plus vite, plus vite! Accélère! Oui, bravo! Super, Ricky! À toi de jouer, Lou! Tu es prêt? Allez, suis-moi! Attention, tu mets des roues! Allez, c'est parti! Qu'est-ce que t'attends? Plus vite, dépêche-toi! Plus vite! Attention! Tout bosse? Grande bosse! Youpi! Excellent travail! Deuxième épreuve, l'arrêt d'urgence. Stop! Stop! Dernière épreuve, le slalom. Allez,
vu une moto jeter des plombs en l'air comme ça. C'est parce que t'en as jamais vu aller aussi vite. C'est bien la preuve que je suis meilleure pour faire traverser les enfants. Laisse-moi rire. T'es trop marrant, Ricky. Si toi t'es le meilleur, alors moi je suis le meilleur des meilleurs. Je suis sûre que t'arrives pas à faire ça. Peut-être. Mais moi j'ai des plus beaux enjoliveurs que toi. Ouais, et ben moi je suis bleu, paf, dans tes roues. Ils ont bien dit qu'ils resteraient amis, hein. Parce que j'ai un doute. Bien sûr qu'ils resteront amis, il le faut. J'étais là avant toi, je te signale. C'est ça dans tes rêves, oui. Allez, vite, les retardataires, on n'attend plus que vous. On se dépêche, à vos places. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai choisi mon assistant, l'élève qui va m'aider à faire traverser les enfants. Ce fut un choix difficile. Les deux candidats ont obtenu de très bons résultats. Mais il y en a un qui a fait mieux que l'autre. Est-ce que son nom commence par la lettre Loup? Laisse parler la maîtresse. Préparez-vous à accueillir sous un tonnerre de klaxon mon assistant à la sécurité des élèves, Loup. Oui. Hein? Quoi? Allez, Loup! Allez, Loup! Je commence aujourd'hui. Je crois que c'est clair, Loup n'a pas loupé ses épreuves. Mais comment c'est possible? J'étais deux fois plus rapide, c'est pas normal. Je suis désolée, Ricky. Le plus important, ce n'est pas de faire traverser les enfants en vitesse, mais en sécurité. Tu pourras réessayer la prochaine fois. Oh, tu te serais très bien débrouillé, Ricky. Mais c'est aussi très bien que ce soit Loup. Oui, c'est bien, Loup. Continue. Franchement, il fait un super travail avec les enfants. Madame Buckley peut vraiment compter sur lui. Un super travail? T'es sérieuse, là? Est-ce qu'à tout hasard, tu serais pas un peu... Tu vois quoi? Je veux dire un peu beaucoup. Jaloux? Jaloux? Moi? Tu penses que je suis... jaloux? Carrément. Ouais. Oui. Carrément. Eh bien... oui, je suis jaloux. Ça y est, ils arrivent. Oh non, on a sorti de la maternelle. Oh là là. Ça m'étonnerait que Loup puisse gérer ça. Il y a des jours où j'attends de sortir de l'école rien que pour éviter de les croiser. Ils me rendent fou. On se calme. Regardez Madame Buckley, elle a l'air complètement dépassée. Voilà ce que je voulais éviter. Je vais m'occuper d'elle. Loup, tu veux bien aider les autres à traverser, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous avez à sauter partout? Hein? Hé, hey, revenez! Écoutez-moi! Pour traverser, on se met en rang. Deux par deux. C'est pas ce que j'appelle se mettre en rang. Je vous demande de rester calme. Toi aussi, Lupin, reste calme. T'as pas peur, t'as pas peur. Il est en train de paniquer. Je sais ce qu'il faut faire. Quand un ami est en difficulté, on fonce et on va l'aider. C'est pas grave si lui et moi on s'est disputé. Ricky, à la rescousse. J'arrive. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez. Mettez-vous en garde à vous. Je veux dire en garde à vous. Deux par trois ou trois par deux. Ça suffit maintenant. Préparez-vous à traverser. Allez vite, on se dépêche. Je veux dire, prenez votre temps. Doucement pour qu'il n'y ait pas d'accident. Allez en rond. Ricky, tout semble plus simple d'un seul coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, Loup.
T'es sûr? Mais comment? Parce que je commence à me dire que j'y arriverai jamais. Toot, tu te rappelles ce que tu m'as montré ce matin? Ah, quand j'ai sifflé, bien sûr que je m'en rappelle. Oh là là, si t'avais vu ta tête, c'était trop marrant. Tu peux recommencer? Quand tu veux, c'est trop fastoche pour moi. Ouais, merci Toot. Vas-y Loop, passe en premier. Je me mets en dernier, on va faire traverser tout le monde. En avant les enfants. Oh, si je m'attendais à ça. Ricky et Loop, je suis très impressionnée. Oui, ouais. Génial, on a été trop forts. Oui, bravo, t'as fort. Surtout Loopy d'ailleurs. Oui, vous pouvez être fiers de vous. Tout bien réfléchi, notre école pourrait disposer de 2 élèves pour faire traverser les autres. Qu'en dites-vous, Ricky, Loop? Oh, génial. Allez, vas-y, top les roues. Roule pour un et roule pour tous. Mais si on fait ça tous les jours, on va être obligé d'apprendre quelque chose de très important. Comme ça. Attends, je vais essayer. Personne ne s'arrêtera si vous sifflez aussi mal. Regardez bien ma bouche. Ah, c'est incroyable. C'est vrai, comment une petite moto comme elle arrive à siffler avec autant de force? Ah, j'y étais presque. Cette fois, c'est la bonne. Moi, si j'entends ça, j'accélère. Ne vous en faites pas, DJ va bien. Maxwell lui change ses roues. C'est tout, y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Enfin, je crois. Ah, désolé les enfants, on a un tout petit contretemps. Je vais régler ça en 2 coups de clé anglaise. Ça doit faire mal un coup de clé anglaise. Et voilà, je suis au top. Regardez-moi ces pneus. Je me sens en grande forme d'un seul coup. J'aurais jamais pu faire ça avant. Reçu. Oh, désolé, je vais le remettre à sa place. C'est bon, à qui le tour? Ricky, t'as pas encore pris de rendez-vous? Ah oui, c'est vrai. Le truc, c'est que j'ai école là, je suis en retard. Hein? T'as école le samedi? Oui, je dois aller à l'école du samedi. Salut! Quoi? Mais moi, on m'a jamais dit qu'il y avait école le samedi. Oh non, je vais devoir rattraper tous les cours. Si je me souviens bien, c'est toi la prochaine, Scootio. J'ai une paire de nouveaux pneus rien que pour toi. T'inquiète pas, je te promets que ça fait pas mal. Dans ce cas, on y va. Salut Ricky, qu'est-ce que tu fais? Et Toot, tu pourrais me dire ce que tu penses de mes pneus? Je veux dire, ça va, non? J'aimerais vraiment, mais alors vraiment que tu me répondes oui, même si tu penses le contraire. J'ai compris. Non, ils sont usés. Tu devrais les faire changer. Oh, merci, Toot. Ricky, je viens de te prendre un rendez-vous chez... Laisse-moi deviner. Chez Maxwell, tu lui as demandé de changer mes pneus, c'est ça? Oui, exactement. Il y avait une place de libre juste après Loop. Oh, c'est l'heure de faire rougir le moteur, on dirait. Oh, ça te fait peur qu'on te change tes pneus, mon Ricky? Je t'accompagne si tu veux. Non, il n'y a pas de quoi avoir peur de toute façon. Bon, allez, je vais rejoindre Loop. À tout à l'heure. Tiens, je te
chercher. Je parie que toi aussi, t'as pas réussi à trouver l'école du samedi. À mon avis, on l'a raté. En fait, ma mère a pris un rendez-vous pour moi chez Maxwell. C'est justement là que je me rends. On n'a qu'à y aller ensemble. Dépêche-toi, Ricky. On va être en retard. Oh non. T'as entendu ça? On dirait que mon moteur a un problème. Je crois que c'est la pétaradite. La pétaradite, oh non! Pourquoi? Pourquoi les choses les plus horribles arrivent toujours aux meilleures motos? Au fait, c'est quoi la pétaradite? Une maladie grave qui t'interdit de changer tes pneus le temps que tu guérisses, c'est la loi. Ou le code de la route. Enfin bref, quelque chose qui m'empêche d'aller chez Maxwell. Mais c'est terrible! Oh, vas-y sans moi, Loup. Je crois qu'il faut que j'aille me reposer. Mon pauvre, t'as pas de chance d'avoir attrapé la pétaradite. C'est au-dessus de mes forces. Je peux vraiment pas, c'est trop pour moi. Non, c'est pas que j'ai peur. J'ai jamais peur de toute façon. C'est juste que j'ai pas besoin de nouveaux pneus. C'est tout. Ils ne sont pas si usés, ils peuvent encore tenir des années. Et voilà. Wouhou. Tu arrives à ne pas salir tes pneus. D'accord, démonstration. Des pierres. Oh, évitez. Ah, de l'eau. Et hop, retournez. Si je fais attention à toujours rouler sur... Ah, une rampe. Une rampe. Wouhou. C'est parti. Moteur à fond. S'en empêcher. Oh, Ricky, je croyais que tu te reposais. C'est pas de la blague, la pétaridite. Non, pas ta ridate. Je vais beaucoup mieux. Et ça y est, j'ai fait changer mes pneus. Oh, super, Ricky. Ça fait même pas mal. Venez, on va aller tester nos nouveaux pneus. Oh, je sais, on va se faire la pente la plus raide de la ville. Ouais, oh. Bon, d'accord. Bonne idée, on va s'éclater. Hé, la voilà. La route des étoiles. La moitié des motos n'arrivent pas en haut. Oh, ne les écoute surtout pas. Allez, le dernier arrivé est une moto rouillée. C'est parti. Oh, je sais que je peux y arriver. C'est qu'une petite colline de rien du tout. Allez. A plus les limaces. Youhou. Fonce, Ricky. C'est facile en fait. Oh. Allez, les pneus, tenez bon. Encore un petit effort. Là, on a un gros problème. Mais non, tout va bien. C'est comme rouler en marche avant, mais dans l'autre sens, c'est tout.
Attention! Dépêchez-vous, il a besoin d'aide! Wow. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de tes nouveaux pneus? Ils sont pas assez bien en fait? Justement, en parlant de ça, je ne suis jamais, jamais allée chez Maxwell. J'ai toujours mes anciens pneus. Quoi? Mais alors, ils sont encore pires que pas assez bien! Ah! J'arriverai jamais à prendre ce virage. Loop, DJ, mettez-vous à côté de moi. Scoutio, vérifie qu'il n'y a personne sur la route. Zoom cam, action. La voie est libre. Prêt? À trois, on se retourne. Un, deux, trois. C'est bien de se retrouver face au vent. Merci les amis. Bien joué les garçons. Mais c'est pas terminé. Il y a un énorme nid de poules droit devant. Il faut que tu freines, Ricky. C'est ce que je fais, Lou. Mais ça marche plus avec mes vieux pneus. Essayez de trouver une solution. Moi, je reste avec Ricky. DJ, tu peux pousser ces barrières? Avec ces petits bijoux, je peux pousser tout ce que je veux. Allez, j'ai plus qu'à aller tout droit et c'est bon. Oh. Déraper comme ça, vous pouvez essayer de m'arrêter. Je veux bien, mais comment? Mets-toi devant, on va voir si vos pneus sont aussi bien que vous le dites. À mon signal, en formation. Parfait. Maintenant, prenez tous. C'est ça. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Ça sert à ça, les amis, non? Oh, Ricky! Te voilà enfin! J'ai cru que tu m'avais oublié. Ça y est, cette fois, je suis prêt pour mon rendez-vous. Je vais t'installer une nouvelle paire de pneus. Et t'inquiète surtout pas, je vais faire super attention.